La plupart des gens qui sont de l'autre côté en Europe, quand ils viennent ici, c'est rien que pour venir ouvrir les bars, les boîtes de nuit, pour saouler les jeunes Camerounais. Chaque jour, quand ils passent pour aller vendre mon coquille, elle est toujours là. Donc, c'est quelqu'un qui vont te tamponner dans l'autre monde, vont dire, ah non, elle ne peut pas faire ça. C'est quoi? Elle vend le rêve à qui? Celle qui donne tout son cœur, tout son âme. C'était que j'étais le chat du chancelier. Même si c'est pour aller laver les cadavres. Là-bas, je sais que tu vas laver. Arrête-toi un peu ici, là. Et si j'ai mal parlé? Non. Dans la poussière et le bruit des machines, au cœur de l'atelier Assometal Aluminium, situé dans le quartier de Nkolfoulou, dans la ville de Yaoundé, une femme se distingue par sa bravoure et son dévouement. Lorena, une figure emblématique de détermination et de persévérance, est au cœur de notre récit ce soir. Dans ce documentaire, nous plongeons dans le monde de Lorena, explorant son parcours exceptionnel au sein de l'atelier situé à Monté-Chapelle entre de la rue de la Paix. À travers les témoignages touchants de ceux qui la côtoient, nous découvrons le courage, la résilience et la force de caractère qui font de Lorena une source d'inspiration pour tous. Avant de pénétrer dans l'atelier, nous faisons halte auprès d'une commerçante, une habituée qui connaît bien Lorena. Elle nous livre des anecdotes sur cette cliente fidèle, évoquant sa gentillesse et son assiduité. Oui, elle est honnête, fidèle. Toujours présente. Elle ne vient pas en retard. Chaque jour, quand elle passe pour aller vendre mon coquille, elle est toujours là. Lorena nous accueille avec un sourire radieux. Ses mains habillées témoignent de son expertise dans le travail du métal. Elle nous livre ses motivations profondes qui l'ont poussée à embrasser un domaine traditionnellement réservé aux hommes. Sa voix résonne de passion et de détermination, illuminant chaque coin sombre de l'atelier de son éclat métallique. Bonjour, je m'appelle Lorraine Kamini, je suis menuisier aluminium dans la ville de Yaoundé. Bon, pour la petite histoire, j'ai eu le bac en 2015 et comme tout jeune, je voulais être ingénieur en bâtiment et travaux publics ou alors médecin. Après, je me suis retrouvée en Guékélé, j'ai fait biochimie, niveau 1, niveau 2. Bon, j'ai eu les soucis là-bas, on connaît tous les soucis de l'État. J'ai essayé d'arrêter. Après, je suis allée asseoir. J'ai fait éco, sciences économiques. Bon, après, c'était pas vraiment. Je me sentais pas vraiment à l'aise parce que j'aime bien la maths, j'aime dessiner, j'aime les calculs. Bon, j'ai un ami qui était dans l'aluminium. Une fois, il m'a demandé que, bon, maman vient un peu aussi. De temps en temps, je viens à l'atelier, mais je me disais que non, c'est un sous-travail, ça m'intéresse pas trop. Gars, si tu fais ça, même qui va même te voir, non? Avec le temps, chaque fois que je venais, je voyais comment il travaillait, ça m'intéressait. Chaque fois, il me disait que. Il me blaguait comme ça que ça ne m'a pas de travail ici. C'est comme si une année, j'ai essayé de venir. Il a dit que bon, tu sais quoi, je vais un peu me former. J'ai arrêté à soir, il a dit que bon, je vais un peu me former. Et parallèlement, j'étais hôtesse. Bon, je suis hôtesse. Il y a les événements un peu, qu'on paye un peu bien là, je pars. Il m'a dit, ok, viens. Bon, je n'ai pas payé la formation, c'est pour ça que c'était facile d'accepter. Il m'a dit, viens et tout et tout. Je suis arrivée. J'ai commencé à me former et tellement ça me paraissait facile par rapport aux autres. Genre la formation que les gens faisaient en 2 ans, moi j'ai fait ça en 6 mois. J'étais déjà tellement apte et comme tellement il m'encourageait, j'ai acheté fort. Et puis quand j'allais travailler ailleurs, les gens étaient toujours surpris que ah, une fille qui travaille bien comme un homme et tout et tout. Après j'ai dit bon, maman, tu as assez couru comme ça là. Arrête-toi un peu ici là, tu vois ce que ça peut donner. Donc ça fait 3 ans aujourd'hui, je suis menuisier à Luch. Officiellement, hein. C'est un peu ça la petite histoire. Nous interrogeons Lorena sur la manière dont elle est perçue par son entourage et sa clientèle. Souvent, sceptique à l'égard des femmes de ce domaine. Honnêtement, au début, c'était du genre, je vais être honnête, c'était que j'étais le chat des chanceliers. Genre, comme il m'amenait partout. Mais avec le temps, quand tu prouves un peu tes compétences, honnêtement, tu impressionnes les gens. Aujourd'hui, je peux dire que je suis prête parce que, à part faire ce métier, je forme des jeunes dans le même métier.
honnêtement, les gens sont impressionnés quand ils me voient. Pas parce qu'ils ils se disent je fais la menuiserie à l'aluminium, mais quand ils me voient travailler, les gens sont impressionnés, franchement. On s'est dit, elle a pu, pourquoi pas d'autres. La preuve, on a eu à former une fille ici-là. On savait qu'elle n'a pas pu tenir parce que c'est pas si facile comme on croit. Il faut tenir au milieu des hommes. Il faut se dire, tu n'auras pas les mêmes opportunités qu'un homme. Parce que c'est pas facile. On ne peut pas t'accorder les mêmes chances qu'un homme. Donc, le démarrage est difficile. Mais moi, j'ai la chance que j'ai ces hommes-là qui sont un peu derrière moi, qui me soutiennent à leur manière. Avec une sincérité désarmante, elle nous confie les défis qu'elle a dû surmonter et les préjugés auxquels elle a fait face chaque jour. Mais à travers les épreuves, elle retrouve la force de persévérer et de briller de sa propre lumière. Nous nous entretenons ensuite avec M. So, chancelier, le patron de Lorena, celui qui a cru en elle dès le début de son parcours. Il nous explique comment il a détecté son talent et lui a donné sa chance. Son soutien inconditionnel est un témoignage poignant de l'impact de Lorena dans son environnement professionnel. Kameni est arrivé ici là comme un jeu en fait. Donc du coup, elle était animée à faire beaucoup de choses à la fois comme un homme en fait. Donc du coup, c'est avec le temps qu'elle a pu se rendre compte que ce métier-ci là était pour elle. Et elle a su prendre ça de tout cœur. Aujourd'hui, elle réussit à faire ses travaux, à faire ses propres chantiers. Donc, d'où elle a même déjà certains partenaires avec qui ils travaillent sur le, comment est-ce qu'on dit, dans le domaine. Donc, à chaque fois, elle a deux ou trois entreprises là avec lesquelles eux ils travaillent. Quand ils ont besoin d'elle, elle est là. Mais elle reste toujours celle-là qui reconnaît d'où elle vient. Voilà. Donc, à chaque fois où il y a les travaux à l'atelier, elle est toujours présente. Et c'est d'abord l'atelier avant n'importe quoi. Mais si c'est que je dois dire un truc, un mot par rapport à son, au temps qu'elle a passé avec nous ici, c'est super. Elle est brave. Au jour d'aujourd'hui, moi, je ne peux plus... En fait, c'est un produit fini. Si elle se trouve dans un couloir où il n'y a pas de personne, par exemple, pour l'aider, elle le fait concrètement et bien. Donc, il n'y a même pas une différence là, comme si c'était une femme ou quoi que ce soit. Donc, en fait, elle s'adapte au milieu. Il nous confie sa confiance et sa capacité à relever tous les défis, même ceux qui exigent des efforts physiques considérables. L'entourage, par rapport à l'entourage, généralement les gens lui font confiance, oui, par rapport à son travail. Lorsqu'elle travaille même ici à l'extérieur, les clients, les gens, en fait, quand ils passent, ils s'étonnent. Et les gens lui font confiance, en fait. Bon, maintenant, elle a dû même déjà travailler chez des grandes personnalités où les gens lui ont recommandé après le travail. Voilà. Et bien d'autres personnalités qu'on préfère, que moi, je préfère faire tel nom, en fait. C'est ça. Lorena nous révèle ce secret pour gagner la confiance de ses clients. Malgré les doutes et les préjugés, elle nous parle de son engagement envers l'excellence et de son dévouement à offrir un service de qualité. Ses paroles, raison d'authenticité et d'inspiration, rappellent à chacun que la détermination peut surmonter tous les obstacles. Honnêtement, il y a beaucoup de déceptions. Généralement, j'obtiens la confiance d'un client quand il me voit travailler. Donc du coup, pour un début, la moitié des clients, je travaille au chantier chez le client pour que peut-être ses ingénieurs me voient travailler. Une histoire, j'ai travaillé avec une grande personne. Quand il est venu, mon boss m'a recommandé. Il a dit, je ne peux pas travailler avec une fille. Je ne suis pas sûre qu'elle sait vraiment ce que je veux.
Donc mon boss lui a dit, ok, tu lui fais confiance. Si c'est, laisse-la travailler chez toi. C'est que tu es déçu. Je la, moi-même, je vais continuer et tout et tout. Du coup, le client ce matin, on a dû travailler au chantier. Donc, chaque fois qu'il travaillait, le client, il était assis là comme ça, avec sa chaise, il me regardait. Quand j'ai fini tout, j'ai fixé. Il a dit à mon boss que, mais, ta fille là, tu as raison. Elle a un bon potentiel. Mais pour ceux qui m'ont pas encore vu travailler, généralement, ils se disent que je suis secrétaire. Parce que j'ai toujours mes ordres. Il fait toujours l'effort d'être une fille parce qu'en même temps, je ne vais pas être un monsieur d'homme, tu vas aussi devenir un homme. Tu es morte. Donc, du coup, quand les gens me voient peut-être avec mes ongles, parfois, j'essaye de me coiffer un peu ou parfois de mettre la robe. Les gens se disent que non, 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 celle-là, elle doit être secrétaire ou c'est la voix du boss. Donc, honnêtement, la confiance des clients, les clients qui me font confiance, c'est ceux qui généralement m'ont vu travailler. Et comme j'ai dit tout à l'heure, là, moi, je travaille généralement dehors. Donc, il y a deux fois clients qu'on a eu passé, ils sont passés, m'ont vu travailler, ils sont venus à mon boss que je veux un peu essayer de travailler pour pouvoir sa meuf. Parfois, certains s'arrêtent pour prendre une petite photo, ça m'étonne encore. La fille qui travaille dans un peu ça. Généralement, c'est quand on voit travailler qu'on me fait confiance. Sinon, pour le monde de la femme, c'est compliqué dans le métier. Si on ne te voit pas travailler, c'est que soit tu es la gauche du boss, soit tu es la secrétaire. Maintenant, pour la famille, maintenant, est-ce que vous avez, quand vous avez choisi de faire ce métier, donc, est-ce que vous avez eu des réserves au niveau de la famille, à savoir, bon, voilà, pourquoi est-ce que non, pourquoi pas secrétaire, pourquoi pas faire pourquoi pas à l'école? Bon, déjà, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait Mwekele, j'ai fait soirée, j'ai aussi fait Subdeco. J'ai fait marketing, commerce, vente à Subdeco, une école professionnelle. Honnêtement, c'est mon père que mon papa n'a pas accepté. Mais ma mère, j'ai la chance, c'est que ma mère connaît un peu comment je suis. Déjà, depuis la classe de première, je fais un peu tout ce que je vois. Je fais un peu, on va pas dire comme une famille pauvre, moi-même une famille modeste. Donc du coup, il faut essayer de toucher un peu à tout pour pouvoir avoir certains trucs. Donc, je travaille un peu de tout. Donc, pour ma mère, c'était plus surprise. Parce qu'elle, elle dit toujours que, pour ma mère, souvent, de ses enfants, que elle est celle, quand même, si je tombe, elle ne peut pas avoir peur. Elle dit que tu t'adaptes à tout, maman. Même si c'est pour aller laver les cadavres. Maman, je sais que tu vas laver. Mais c'est mon père qui a dit, comme tout papa, je veux la licence, je veux le master, je veux le tout. Elle dit que bon, à quoi pour avoir tout ça quand financement, ça n'est pas facile. Maintenant, si c'est que je peux déjà faire un truc qui me permet de prendre soin de moi et des autres, pourquoi pas? Donc, mais aujourd'hui, mon père, il est étonné. Parce qu'il y a certains contacts qui m'envoient que, gars, telle personne veut. Moi, je fais les affaires. Il a ses clients-là, il a son pourcentage. Mais il y a certains tontons, certains tatas qui me font très, très confiance. Là, j'ai eu à travailler pour eux. Bon, comme je disais, c'est ceux qui m'ont vu travailler. Parce que, disons-nous la vérité, je ne suis pas toujours comme ça. Ça m'arrive aussi d'être une fille. Et comme je dis, je suis aussi hôtesse. Donc, certains qui vont te tamponner dans l'autre monde vont dire, ah non, elle ne peut pas faire ça. C'est quoi? Eh ben, le rêve à qui? Donc, c'est un peu ça. Nous rencontrons l'insuite les voisins de l'atelier qui partagent les expressions sur Lorena, les encourageant de suivre l'exemple de Lorraine et à poursuivre les rêves avec courage et détermination. Bonjour, merci bien. Lorraine, c'est une petite fille que j'apprécie beaucoup dans son domaine. Elle est vraiment très impressionnante et elle aime son travail. Elle est assidue, avec tout son bagage intellectuel, elle a choisi de faire ce métier. Vraiment, je suis très contente d'elle, parce qu'ici au Carrefour, tout le monde est étonné par son travail, que merde, est-ce que c'est une femme qui travaille comme ça? Est-ce que c'est une femme qui travaille comme ça? Donc, de nos jours, j'interpelle beaucoup de jeunes filles de se mettre dans ce genre de travail, donc dans le travail, la pratique, quoi. Parce que c'est vraiment bien. Et nous sommes dans le Cameroun d'émergence. Donc, vraiment, Lorraine, elle est impressionnante. Son travail me plaît beaucoup. Nous nous rendons ensuite dans un garage auto situé juste derrière l'atelier. Le patron du garage qui nous partage ses impressions sur Lorraine et l'impact dans leur quartier. C'est une fille incroyable. Moi, je n'ai jamais vu celle qui donne tout son cœur, tout son âme pour faire quelque chose de bon. Pour elle, c'est un modèle. C'est un modèle pour toutes les femmes. Il y a d'autres qui se laissent faire, qui font les choses incroyables. Vous-même, vous connaissez. Je ne peux pas citer. Mais elle, elle a donné son temps. Donc, tout son âme, tout son corps, tout pour apprendre ce métier. Et aujourd'hui, là, elle s'en sort.
Elles s'en sont maintenant parfaitement. Non, à la limite, si je vais encore voir son patron, je ne peux plus voir son patron. Vu que son patron lui a donné ce qu'il a appris. Hein? Et maintenant, ce que son patron a appris, il a appris à Lorraine. Elle a grandi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je dois donc faire? Est-ce que je vais encore voir son patron? Si je vois maintenant son patron, c'est rien que pour faire peut-être rien que les finitions. Même les finitions là, elle est prête. Parce que bon, à la limite, quand elle travaille là, les voitures s'arrêtent, on regarde, on dit mais c'est la fille ici, c'est une fille qui fait ça. Moi, mes yeux sont étonnés, tellement étonnés. Et vraiment, c'est une fille qu'on doit encourager. S'il fallait qu'aujourd'hui là, on l'aide pour qu'elle ouvre vraiment son atelier, pour qu'elle puisse vraiment s'en sortir, il n'y a pas de problème. Moi, je veux que ce sont les filles comme ça que nous on veut dans ces pays. Hein? Il faut que le gouvernement doit voir certaines choses par rapport aux trucs, aux filles comme ça. Vous comprenez? Témoigne de sa confiance en Lorraine, démontrant ainsi l'acceptation et le respect que Lorraine a su gagner dans sa communauté. Bon, ce que je n'ai pas encore dit pour Lorraine, c'est que c'est une fille qu'on doit encourager. La plupart des gens qui sont de l'autre côté en Europe, quand ils viennent ici, c'est rien que pour venir ouvrir les bars, les boîtes de nuit, pour saouler les jeunes Camerounais. Si vraiment nous pourrons, si vraiment eux-là, ils peuvent venir soutenir les jeunes Camerounais qui veulent faire quelque chose de bon. Hein, regardez un peu les garages chinois. Un Camerounais préfère aller chez les Chinois et que de venir chez nous. L'argent que tu vas demander ici ne peut pas te donner, mais quand ils arrivent chez les Chinois, ils ne peuvent pas te donner ça. Alors que les gars qui sont à la diaspora peuvent venir ici, là, venir ouvrir les ateliers pour pouvoir faire vivre nous les jeunes Camerounais qui n'avons pas la possibilité d'aller de l'autre côté. Est-ce que j'ai mal parlé? Oh, ok. Nous rendons hommage à Lorraine. Un modèle de courage et de détermination pour tous. Son histoire est celle d'une femme qui a su briller dans un monde d'acier par sa force de caractère. En encourageant les femmes à suivre son exemple. Bon, le conseil que j'aimerais donner à mes sœurs, à mes filles, parce que, ouais, à mes filles, à mes sœurs qui aimeraient se lancer dans le métier, faut pas hésiter. Sérieusement, faut vraiment pas hésiter. C'est pas facile. Parce que vous voyez, aujourd'hui, peut-être, on arrive à avoir 5 fois et tout. Moi-même qui parle, qui suis assez performante, sans me vanter, c'est pas facile pour moi. J'ai des... Disons que je me suis créé quelques petits couloirs. Lorsqu'on a besoin, on s'appelle à moi. Maintenant, c'est de là-bas que je peux dire, j'essaie d'essayer, mais si quelqu'un veut réellement se lancer de ça, qu'il n'hésite pas. Il n'hésite vraiment pas. C'est un métier qui est porteur. Et demain, c'est... Demain, quand on va voir une fille jolie qui travaille là, l'homme sera quoi? Maman, c'est toi qui vois le chantier. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut se lancer. Lorraine incarne l'espoir et la force de caractère qui peuvent transformer les obstacles en opportunités.